Ah, ça, on se connaît depuis des années, hein? Oui. Au moins 36 ans. Au moins! C'est pas plus. Ben voilà, donc toutes les toilettes que vous voyez sur scène, quand elles dansent, quand elles bougent, je pense que monsieur, vous les aimez. C'est vrai, les costumes sont toujours beaux, hein? C'est vraiment bien pour vous montrer une veste. Parce qu'elles sont 12 personnes, ça fait 24 mains qui qui font la couture toute la journée. Hein. Alors non, c'est un travail, ils font que c'est beau, alors qu'au cinéma, s'il y a un bétien qui apparaît deux fois, il y aura son nom. Donc ici, vous avez les meilleurs. En fait, j'ai la meilleure équipe du monde. Bravo. On l'est perdu. Ça se passe dans un premier temps, le directeur général va avoir l'idée de créer un spectacle pour la saison à venir. Donc, il crée le spectacle et il va inviter un metteur en scène. Monsieur Mazonis fait aussi des mises en scène. D'ailleurs, ici, dans Elixir d'Amore, que vous allez venir voir. Oui. C'est lui le metteur en scène. Donc, le metteur en scène a une idée. Parce que, bon, Elixir d'Amore a été joué je ne sais combien de fois à travers le monde et par plusieurs. Alors, quelle sera-t-elle? Elle sera la triste. Alors, j'ai toujours une équipe. Il est magnifique. Avec le label. Alors, ça, c'est une petite anecdote. Tiens, je vous la dis. Il y a une petite anecdote dans l'Elixir d'Amore, puisqu'on s'est amusé avec nos choristes. Et donc, nous avons une dame, une choriste, très très grande. Parce qu'elles sont 12 personnes, ça fait 24 mètres. Donc ici c'est tout ce qui reste, vous voyez toutes les, je ne sais pas si vous cousez, mais regardez tous les galons, toutes les matières, tout est ici, regardez. Oui, et tout. Et il y a un autre en Allemagne, il y a tous ces gros machins là, vous voyez, vous êtes dans la loge, même au premier rang, hein, oui. Puisqu'elle a la largeur de la fosse d'orchestre. Oui, oui. Bah, vous ne pouvez pas voir ça, quoi. Oh, c'est vrai. C'était magnifique. Fleur de peau. C'est magnifique. Oh, oui. C'est un opéra pour enfants. Hein, qui était, l'histoire est créée par André Borbet et la musique est de Lina Dan. Donc c'est un opéra tout à fait contemporain, une histoire écologique très très belle. Et les personnages qui vivent dans une ville sous verre avaient ce genre de costume. Mais nous, on les voit ici de tout près, mais si vous êtes à l'opéra et vous êtes au premier balcon, même si vous êtes très bien mis, ben, vous ne voyez pas tous ces détails. Or, c'est un travail de dingue, ça a été fait ici. Oui, c'est toutes les petites rajouts. Ajuster. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un plus beau chapeau qu'un chapeau de soldat. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Ben, les robes, les melons, les... Ah, c'est mignon, ça. Ah, c'est joli. C'est pour qui, ça? C'est pour Adeline? C'est pour les cœurs d'âme. Non, c'est les cœurs d'âme. Oui, c'est les gens du village, quoi. Oh, c'est mignon. Petite maison de la poésie. Comme dans le monde, ça. Des gamins. Petite maison dans la prairie, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait. On met très bien ça. Oui, tout près.
Ténor tombe malade. C'était sous la direction de Jean-Louis Grindin. Mais voilà, tout ça dans l'espoir d'avoir dans un proche avenir un concert avec Madame Farah en Neruda et. Et le vent complice s'églisse sans malice et joue avec délice à cache-cache avec eux. J'espère, nous espérons que vous avez passé un excellent moment dans les ateliers et costumes de l'Opéra Royal de Wallonie avec nos amis Dora Lacroix et Viviane Borges. Alors tout le monde sait que Dora est toujours évidemment l'initiative de très très belles